Voilà. Vous écoutez la musique, elle est basse aujourd'hui parce que je n'ai pas retrouvé l'autre de mon téléphone. Comment allez-vous les amis? Je veux te dire merci. Allez, on est vite les amis. C'est un peu plus bas, ça ne fait pas notre affaire. Vous savez que j'aime danser. Mais aujourd'hui, ma musique, ça ne fait pas mon affaire. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. Toute la semaine, je n'ai pas pu venir. Ça ne fait pas mon affaire. Ça ne fait pas mon affaire. Ça ne fait pas mon affaire. Je n'ai pas mon téléphone que je connecte sur mon Bluetooth. Et du coup, j'ai mis ça sur mon ordinateur. Ça ne fait pas mon affaire. Alors, comment allez-vous? Racontez-moi votre semaine, comment ça se passait la semaine. Moi, ce fut une semaine, oh Seigneur, fantastique. Ça s'est clôturé hier avec un combat remporté. Ça s'est clôturé avec un combat remporté et je bénis le Seigneur pour ça. Je vais vous raconter quelque chose qui se passait. D'abord, je me présente à vous. Je suis Béatrice Infené pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis simplement une maman qui a beaucoup d'enfants à travers le monde. Je suis Ève, je suis la mère de tous les vivants. Et donc j'ai beaucoup d'enfants à travers le monde, partout. Salut Marie Jamel, bonjour. J'ai mes enfants à travers le monde, partout, 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 partout. Et donc je viens souvent pour pouvoir donner des conseils dans le domaine matrimonial. Aider une femme à être la pensée de Dieu dans le mariage. Aider une femme à être l'intention de Dieu. Aider une femme à être l'intention de Dieu dans le mariage, ça c'est moi, yes. Et nous arrivons par la grâce de Dieu à amener les femmes dans l'amour, à satisfaire encore le désir de Dieu dans le mariage. Comme je vous ai toujours dit, si nous voulons être dans le mariage à cause des hommes, d'accord, à servir l'homme, à lui faire du bien chaque jour, ça ne sera pas facile parce que eux de leur côté ne nous rendent pas ce que nous aussi nous en avons besoin. Ne nous détrompons pas. La femme a juste besoin des mots de réconfort. Salut Lauriane, comment vas-tu aujourd'hui? La femme a juste besoin des mots de réconfort. La femme a juste besoin des mots d'encouragement. Il y a des moments où je me pose la question, mais comment tu as fait pour épouser cet homme? Mais je me rends compte que ça arrive à tout le monde. L'amour fou, le coup de foudre, qui amène une femme à s'engager avec un homme qui ne mérite même pas sa présence dans sa vie. Il y en a qui ont épousé complètement des hommes. J'appellerais simplement, ça ne vaut pas la peine de vivre avec. Ça ne vaut vraiment pas la peine de vivre avec. J'ai rencontré des femmes qui sont superbes, des bonnes mamans, des mamans qui sont soumises, mais qui ont juste des maris à jeter dans la poubelle. Ah oui. Mais vous savez quoi? C'est comme je vous ai toujours dit, avec l'esprit de Dieu, tu es parfois obligé de conseiller autrement. Parce que nous ne pouvons pas séparer ce que Dieu a uni. Pouvons juste conseiller simplement qu'avec la prière, nous croyons que Dieu peut changer les choses. Va avec la force que tu as. Ne pars pas seul. Va avec la force que tu as. Et lorsque tu accompagnes ça, la présence du Saint-Esprit, tout en sachant aussi comment prier, par la prière de Ndjounjou que j'ai l'habitude de dire et de voir ici sur les réseaux sociaux, quand même, envoie le message. Change mon mari, mais elles ne connaissent pas les principes divins de l'institution du mariage. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attacheront et deviendront une seule chair. Ce n'est pas de l'amusement. Et salut Charlotte, ce n'est pas de l'amusement. Et donc, dès que tu es uni dans le lien du mariage, le genre de prière, change mon mari, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu penses comme Dieu, que ce n'est pas comme ça qu'il a pensé à son affaire. Il n'a pas pensé à la division, il a pensé à l'unité. Et dans la prière d'une femme pour son mari, ce sera pas simplement change mon mari. Mais la prière d'une femme sage dans le domaine du mariage sera Père, change-nous, transforme-nous. Aide-nous. Elle parle le langage de l'unité.
Elle ne parle pas le langage de moi seule. Si tu commences à parler le langage de moi seule dans le domaine du mariage, tu risques d'échouer parce que lui n'a pas pensé ces choses. Alors, on va partager. On va inviter les amis. Aujourd'hui, ma musique, il n'y en a pas. Moi, salut, Barakissa, s'il te plaît, Fofana. Envoie message à Blessing et les autres que je suis déjà en ligne. Si elles peuvent juste venir partager dans nos groupes de formation, je serai très heureuse. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est une femme qui a compris que je ne peux pas aller avec le langage « Dieu change mon mari ». Donc, je m'en vais avec le langage que je veux travailler sur moi parce que je suis une terre fertile. Il sème sur moi et il doit recevoir le meilleur. Je m'en vais avec le langage « Il a ses faiblesses ». Et je reconnais ses faiblesses parce que j'en ai aussi. J'ai mes faiblesses à moi et je ne peux pas continuer. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est simple. Un homme qui ne fait rien. Un homme qui n'aide pas sa femme dans la maison. Guys, vous le savez très bien que la mission de la femme, je vous ai toujours dit, respectons notre mission, mais nous avons souvent affaire à des hommes, mais ça ne vaut pas la peine. Mais on les a épousés. D'accord? Il y en a qui ont épousé des hommes qui ne valent vraiment pas la peine. Mais l'amour, la compassion, l'entraide de miséricorde, l'identité de Christ, l'entraide de miséricorde. Il dit, revêtez-vous de l'entraide de miséricorde, de bonté, d'amour et de fidélité, de compassion. Ça, c'est la femme qui connaît le Seigneur. C'est la femme qui sait que j'ai mes défauts à moi aussi. Et donc, je ne veux pas me concentrer sur les défauts de mon époux. Je veux plutôt commencer à le valoriser. Tu vois que c'est un homme qui ne fait rien. Mais tu lui fais la remarque, tu ne fais rien pour m'aider. Attends-toi à vivre le rien parce que tu l'as dit. Tu l'as dit, il ne fait rien pour t'aider. Tu vivras ça. Tu as vu que c'est quelqu'un, qu'est-ce que je peux prendre comme un exemple encore? Quelqu'un qui appelle jamais ta maman pour lui dire bonjour maman, comment vas-tu aujourd'hui? Et oui, il y en a qui sont sauvages, qui ne pensent même pas que ma belle-mère, c'est elle qui m'a donné ma femme. Salut Christelle. C'est elle qui m'a donné ma femme. Et donc, il n'a pas de chaleur envers la belle-mère. Il n'a pas de chaleur envers les sœurs. Il n'a de chaleur envers personne. Toi, tu veux que ça soit un homme qui appelle ta maman pour lui dire, maman, bonjour. Mais c'est toi qui vas encore ouvrir ta bouche. Et tu sais très bien qu'on te dit, la mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Et tu sais comment Dieu a utilisé les paroles. Il va te dire dans Jean 1:1, le commencement était la parole. Et donc quand tu veux voir le commencement d'un changement, il va falloir commencer avec le changement de la parole. Le commencement, c'est le changement de la parole. Comment tu utilises ta parole? Au commencement était la parole. La parole est très importante dans le domaine du changement. Quand tu veux voir un changement, ça commence par la parole et ça commence par le changement de mentalité. S'il te plaît, partage ce live. Ça commence par le changement de mentalité. La parole que tu avais l'habitude de dire sur lui, c'est un homme qui n'appelle jamais ta maman pour dire bonjour. Et tu veux voir un changement, que ce soit un homme qui prenne un téléphone et qui appelle ta maman pour dire, maman, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Mais tu ne peux pas lui dire, faire les remarques, tu n'appelles jamais ma mère. Là, tu viens de s'aimer sur sa vie que c'est un homme qui ne va jamais appeler ta mère. Parce que tu l'as dit. Tu l'as dit de ta bouche, tu n'appelles jamais ma mère. Oh oui, tu vas manger le fruit de ce que tu viens de s'aimer. Il n'appelle jamais ta maman, ce que tu dois utiliser, tu le vois comme ça, tu dis toi, tu es un homme heureux. Toi, tu es un homme qui prend le téléphone pour appeler ma mère pour dire maman bonjour. Il dit, ok, qui t'a dit que je vais appeler ta mère? Je sais que tu n'appelles pas, mais je commence par dire que tu vas le faire parce que je vois en toi un homme avec un bon cœur. Un homme qui appelle ma maman pour dire bonjour. Et puis tu ris. Tu changes de stratégie un peu. Tu vas voir, il va commencer aussi à le faire. Parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la foi. Salut Jolie. C'est la foi. Tu n'as jamais vu qu'il le fait. Mais tu dois appeler. Je t'ai dit qu'il y en a qui sont des foutraques. Ça ne vaut pas la peine. C'est comme si on les a épousés. Mais je fais quoi avec ça? Ça, c'est quel mari comme ça? Qui ne t'encourage jamais? Qui ne dit jamais, ma femme, tu es belle? Qui ne prend pas ici quelque chose qui est déposé ici pendant 5 jours? Lui-même, il sait que la place, que la chose est déposée. Je peux prendre ça pour aller ranger là-bas. Tant que tu n'as pas fait, il ne va pas le faire.
Pourquoi nous sommes comme ça, nous les hommes-là? C'est comme si je suis un homme aussi. Vous, les hommes, pourquoi vous êtes comme ça? La femme que tu ne valorises pas, c'est ta moitié. La femme que tu trompes matin, midi, soir, c'est ta moitié. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. Et j'ai tellement béni le Seigneur. Il y a de cela un mois, j'ai commencé à travailler avec une femme aux États-Unis. Son mari a quitté la maison. Ma fille, si tu entends ce direct, tu sais très bien que je vous dis souvent, l'histoire que je vis, je le raconte afin que ça bâtisse d'autres femmes. Elle m'a écouté sur ma chaîne YouTube. Celles qui ne sont pas encore abonnées sur ma chaîne YouTube, guys, nous sommes une communauté. Abonnez-vous juste sur ma chaîne YouTube. MML, mon mari me localise. Et je laisse très souvent de messages là-bas. La présidente des millionnaires, je te salue. Alors, elle m'a contacté il y a de cela un mois. C'était un désespoir pas possible. Quand cette femme a parlé de son histoire, j'ai écouté, sans vous mentir, si nous ne marchons pas par la foi, nous acceptons le mensonge de l'ennemi et ça déploie son énergie pour canceller la bénédiction de Dieu. J'ai failli dire, aïe, 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 est-ce que ça, là, ça va s'arranger encore? Qui? Moi, la fille de Dieu, je veux croire que ça ne va pas s'arranger quand je sais que Dieu est dans mon affaire. Je lui ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il me dit, maman Béatrice, ça fait 2 mois qu'il est parti. J'ai dit, il n'y a pas de souci, il va revenir à la maison. Il dit, d'accord. Comment tu m'as connu? J'ai regardé tes vidéos sur la chaîne YouTube. Comment tu as fait pour trouver ma vidéo? Elle me dit, j'ai écrit comment restaurer son mariage. Tes vidéos sont sorties dans comment restaurer un mariage. Je t'ai contacté en même temps. J'ai dit, gloire à Dieu. Il n'y a aucune personne que Dieu peut connecter avec moi. Et le Dieu de victoire, le Dieu qui a remporté la mort, le Dieu qui est reparti à la droite du Père, et il va te laisser tel que tu es venu. S'il a fait pour moi, et si tu crois qu'il peut le faire pour toi, il peut le faire. Alors, elle me laisse, on a parlé, je lui ai dit, je vais rentrer en contact avec ton époux. Elle m'a dit, ok, je vais te donner son numéro. Mais guys, il ne faut jamais rentrer en contact avec le mari d'une femme, quand tu es dans le domaine de la réconciliation, maman, passe d'abord par la prière. Sinon, tu peux détruire un foyer. Ah oui, oui, oui. Je prie un temps de jeûne et prière. Je priais, j'ai dit, Père, je ne peux même pas tenter avec ma force parce que je suis faible. Il faut que j'aille avec la force que tu me donnes. Il faut que j'aille avec la stratégie que tu me donnes. Et tu sais très bien, la crainte de Dieu, c'est le début de tous les commencements. C'est le début de la sagesse. Je dois aller avec toi. Je passais un temps de prière. J'étais affaiblie. Et j'ai contacté le mari de cette femme. Je lui ai dit, je suis telle, 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 telle. Je travaille avec ta femme et tout, et tout, et tout. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu reproches à ta femme. Je ne peux pas continuer à travailler avec la femme seulement en écoutant les seuls mots qu'elle m'a dit. Il se peut qu'elle m'a dit des choses qui ne sont pas vraies, mais je vais me bâtir sur la vérité. Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous reprochez à votre femme? Et comme on le sait, insoumission, ceci, cela. Toi, tu es comment? Tu veux qu'une femme te soit soumise, mais toi, tu ne fais pas ta part. Anyway, je ne parle pas avec ça encore, parce que quand tu veux attaquer une situation, n'attaque jamais la personne. Attaque d'abord la situation. Et j'ai simplement dit, vous avez parfaitement raison. Devons être soumis aux hommes qui nous aiment. Devons être soumis aux hommes qui nous aiment. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas cela. Il nous dit, soumettez-vous. Donc, je suis d'accord avec toi. Ok, j'ai compris. Je continue à travailler avec cette femme dans ce domaine. Nous avons continué. Et je lui conseille, s'il te plaît, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Oh, gloire à Dieu, ça marchait très bien. Un jour, il appelle sa femme. Il lui dit, s'il te plaît, amène-moi les enfants. Vous voyez comment les hommes sont parfois, je vais utiliser un mot qui n'est pas bien, qui va sonner mal à votre oreille, ils sont bêtes. C'est comme s'il leur manque de sagesse. C'est comme s'ils ne réfléchissent pas. Et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe pour que l'homme se comporte de cette manière. Quelle est la famille que tu es en train de construire? Tu appelles ta femme. Tu lui dis de venir avec les enfants.
Mais quand la femme vient dans ta maison avec les enfants, on se rend compte dans la maison, il y a la présence d'une femme. Et pourtant, vous êtes encore mariés, il y a la bague qui est encore là. Le divorce n'est pas prononcé. C'est vrai que tu as quitté la maison, tu es parti, tu as pris la maison pour une année. Elle me dit, maman, je suis partie aux toilettes pour me soulager. J'ai trouvé la perruque d'une femme dans la toilette. J'ai su qu'il y a la présence d'une femme dans la maison. Mais je suis venue avec mes enfants pour qu'ils voient le papa. Je fais comment? Et j'ai dit à mon mari, je vais repartir avec les enfants. Mon mari a dit non. J'ai dit que mais là, il y a une femme ici. Tu sais que nous sommes mariés. Tu sais que nous ne sommes pas encore divorcés. Comment il y a la femme dans la maison? Le monsieur a dit ok. La femme plutôt a écouté et la femme a quitté. Elle voulait partir. Le monsieur a parlé avec sa femme et la femme était assise. Elle m'a appelée. Elle me dit, maman, voici la situation. J'avais tellement mal. J'avais mal. C'est comme si on m'avait poignardé. Je dis, waouh. Bon, faut attaquer quand c'est chaud. Je m'en vais dans le inbox du monsieur avec mon anglais bien déformé. J'ai dit, you are a very good man. You are a man of God. Hey, mon anglais, j'ai fini mon anglais ce jour. J'ai dit, you are a man of God. You are a son of a covenant. L'enfant de l'alliance. Tu ne peux pas faire ça. Tu as encore un mariage avec cette dame. Comment tu laisses une autre femme venir? Et non seulement ça, elle vient avec les enfants. Et quand elle est venue avec les enfants, elle va trouver une autre femme dans la maison. Ça ne se fait pas. Le Dieu de l'alliance. Il te dit, je suis témoin de ton alliance. Tu n'as pas brisé l'alliance et tu ne brises même pas l'alliance. Le monsieur a écouté mon message. Satan me dit, toi, tu as fait ça, le monsieur là-bas a décidé, ok, comme ma femme t'a parlé de ça, c'est terminé. J'ai dit, Satan, toi, tu mens. Je ne te crois pas, je ne te croirai jamais, ni aujourd'hui, ni le lendemain, je ne te croirai jamais parce que tu n'es qu'un menteur. Je refuse de croire à ces mensonges. La femme m'appelle. J'étais très fatiguée, je me suis allongée. La femme m'appelle, ça appelle, ça appelle. Mon fils a pris le téléphone, il l'a amené, il dit que maman, cette femme, quand j'ai vu son nom, je dis, oh mon Dieu, ça c'est encore le plan stratégique de Lucifer. Il dit, voilà, tu as allumé le feu dans la maison de la dame. Voici la dame là qui t'appelle pour te dire que c'est fini le mariage. J'ai dit, toi, je n'ai pas ton temps. J'ai pris le téléphone. Je lui dis, comment tu vas? Il dit, maman, mon mari veut avoir un rendez-vous avec toi. La joie est revenue. J'ai dit, merci Seigneur. Satan me dit, il va te dire que tu es venu gâter ma maison. J'ai dit, Satan, tu mens. Le monsieur, si, il va revenir dans sa maison. Je commence à déclarer que le monsieur revient à la maison. Je commence à déclarer les paroles de positivité, que je vois ce monsieur revenir à la maison. Je vois ce monsieur repartir avec sa femme. Je fais un rendez-vous avec eux hier soir. Pendant ce parcours, les mensonges de l'ennemi, ça ne va pas marcher. Le foyer là est déjà détruit. Moi aussi, je lutte avec la pensée. Je dis, ça ne va sauf qu'arriver. Mon Dieu, le Dieu de la restauration, le Dieu de la famille, ne laisse jamais une famille se diviser. Quand tu sais comment tu dois l'implorer, il va restaurer ce mariage. Le monsieur m'appelle avec sa femme. On a mis le zoom. Ils étaient en face de moi. Je le regarde. Il parle. Il me dit, Mom, I want to thank you. Say, I thank you too. I am honored. Je suis contente de te voir avec ta femme. Il demande pardon à sa femme. Il demande pardon à sa femme. Il avait déjà pris la maison dehors pour un an. Que il va réfléchir. La première fois quand je parlais avec lui, il m'a dit, j'ai compris, mais laisse-moi réfléchir. Je dis, d'accord. Il a loué la maison pour un an. La femme ne croyait plus que le monsieur va revenir. Le Dieu de la restauration. Le monsieur demande pardon à sa femme. Le monsieur dit à sa femme, on va repartir sur la nouvelle base. Je reviens à la maison. J'ai dit, boum, mon Dieu vient de remporter la victoire. Le mariage est restauré. Il y en a parmi nous qui baissons les bras très facilement. Quand tu es dans l'institution qui appartient à Dieu, le gars, il a la loi pour son institution et il ne veut pas que tu brises, il ne veut pas que tu lâches facilement. Mais tu prends la décision comme si ça t'appartient et tu quittes. Le Dieu de la restauration a encore restauré.
Le même Dieu de la restauration marche avec les femmes sages aujourd'hui. Tu n'es pas sage dans le mariage à cause d'un homme. Si c'est à cause d'un homme, il va lâcher ta main. Mais à cause de l'alliance avec l'instituteur du mariage, le Dieu de l'alliance parle en ta faveur. Le Dieu de l'alliance ne te laissera jamais. Ça dépend de l'état de ton cœur. Comme je vous ai toujours dit, il y en a parmi nous tellement que nous avons été foudroyés par le mal, par leur méchanceté, par les injures. Pas de parole de réconciliation. Mais la parole va te dire, en toi, il a mis les paroles de réconciliation. Dans 1 Corinthiens 9, il dit, en vous, j'ai mis les paroles de réconciliation. Cette parole de réconciliation te permet d'être en réconciliation avec tout le monde. Dans Faiseur d'espoir, nous proclamons la parole de Dieu sur la relation avec les autres. La femme qui est sage entretient une très bonne relation avec les autres. Je vous ai toujours dit ici, Satan va tout faire. Avec ta belle famille, ça ne marche pas. Avec tes amis, ça ne marche pas. Avec ton mari, ça ne marche pas. Satan ne va jamais te laisser t'examiner pour que tu saches où vient le problème. Où est ma part de responsabilité? Alors, tout le monde sera ton problème, sauf toi. Ma belle-mère est le problème. Mon beau-père est le problème. Mes beaux-frères sont des problèmes. Celui-ci est le problème. Même mon mari, il est le problème. Et pourtant, c'est à moitié. Et il devient le problème. Et lui aussi, il ne comprend pas ton langage. Et donc, dans le foyer, tout le monde devient le problème. Ça va prendre une femme qui a la sagesse. Une femme qui a la sagesse. Attention, je vous ai toujours dit ici, je ne veux pas la soumission de l'esclavagisme. Vous n'êtes pas des esclaves. Et vous ne vous soumettez pas à l'état d'esclavagisme. Vous vous soumettez au roi du mariage. C'est le roi du mariage qui va t'amener à te soumettre à l'autorité de ton mari. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il était un modèle pour nous. Quand sa chair n'arrivait pas à se soumettre à son père, il a fait comment? Il a pleuré. Tu pleures derrière l'homme, pourquoi? Tu t'as dit que tu te sous-estimes d'une manière, hein, ta soumission devient la soumission de l'esclavagisme. Non. La femme sage, c'est une femme qui sait ce qu'elle fait. Elle a la tête haute. Je parlais avec ma soeur ce matin. Et je lui ai dit, comment va ton restaurant? Elle est en train d'ouvrir un restaurant. Elle me dit, ça va. J'ai dit, ok. Comment ça marche? Raconte-moi un tout petit peu. Elle commence à me raconter l'état de son restaurant. Elle me dit, 6 chaises et 3 tables. J'ai dit, ça fait combien de temps tu as ce restaurant? Elle me dit. J'ai dit, je sens qu'il y a un peu de manque de sagesse dans la gestion de ton restaurant. Tu ne peux pas avoir un restaurant sur ce laps de temps pendant 1 an. Tu as commencé avec 6 chaises. Et presque 1 an, tu as 6 chaises. Il y a le manque de sagesse dans la gestion de ton affaire. Et je lui pose la question, tu sais, j'ai décidé que je ne peux pas soutenir une seule personne sur 3, 4, 5 mois. Je te soutiens une fois. Je t'envoie l'argent une fois et je dis go. Allez, lance-toi. Et je dois observer que ce que je t'ai donné, tu es en train de travailler comme une femme sage. Elle a vendu 2. Elle prend 1, elle met de côté et elle laisse 1 de côté. Qu'est-ce que ton mari fait pour te soutenir afin que ton restaurant grandisse? Qu'est-ce que ton mari fait? Il dit, Béatrice, s'il faut seulement que je reste, je regarde ces messieurs-là. J'ai dit, change de langage sur ton mari. Tu es en train de parler de la grandeur de Dieu dans ton mari. Tu ne parles pas comme ça. Tu ne dis pas ces messieurs-là comme si c'est un va-nu-pied. Tu commences à appeler ces messieurs-là le roi. Tu commences à appeler ces messieurs-là le chef que j'ai dans ma maison. C'est là où tu vas voir les choses se manifester. Regarde ton langage que tu es en train de me dire. Quand tu me dis, c'est lui-là, c'est comme ça qu'il sera celui-là. Parce que toi-même, tu ne lui donnes pas la valeur. Parle-moi de ton restaurant. Et je vois qu'il y a vraiment un manque de gestion dans son restaurant. Et je lui ai dit, toi, si moi-même je suis ton mari, et je vois
Comment tu es en train de te comporter dans ton propre affaire? Est-ce que je pourrais injecter de l'argent pour t'aider? Ton mari doit voir en toi que tu es une femme qui a commencé petit, mais tu es en train d'exceller. Il y en a parmi nous. Nous voulons que nos maris nous donnent de respect. Mais notre respect envers nous, nous-mêmes, il n'y en a pas. Tu as commencé quelque chose. Aujourd'hui, on te voit, tu as commencé ici. Ça fait 3 ans que je suis dans accompagnement et conseil. Je conseille les femmes. Formation chaque mois. Il n'y a pas un seul mois que je n'ai pas formé. Le seul mois, première année 2018, de janvier jusqu'à décembre. Chaque mois de formation. 2019, de janvier à décembre, chaque mois de formation, même pas un mois de congé. Travailler comme une folle, dormir à 3 heures du matin. Oui, mon mari ne m'avait pas fait confiance au début non plus. Mais il fallait que je travaille double. Tu veux qu'il te fasse confiance, tu veux qu'il te respecte, mais tu joues avec ton travail. Tu veux qu'il te respecte, mais tu joues avec ta vie. Cette année, ce n'est qu'au mois de juillet, j'ai dit à mon équipe, je suis épuisée, je dois avoir un mois de congé. J'ai pris un mois de congé, j'ai pris l'argent, je suis partie, je me suis amusée très bien avec mes enfants. Et mon mari voit chaque mois le changement dans sa maison. Au début, ce n'était pas facile. Pour que cet homme me laisse prendre la parole devant les gens, il a fallu que je lui prouve ma capacité. N'est-ce pas, on est trop rapide pour pouvoir dire il est comme ça. Mais quel est notre pas de responsabilité? L'indiscipline caractérisée. Indiscipline dans sa gestion de temps. Ce n'est pas la sagesse. Tu te lèves comme quand tu veux. Tu es peut-être une mère à la maison, tu ne travailles pas. Tu te lèves à 8 heures le matin. Oui, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà accompagné les femmes que je leur dis, écoute, à partir de maintenant, tu te lèves à 5 heures du matin. Oui. Oh, maman, bien, je ne peux pas. Oui, tu dois te lever à 5 heures du matin. Tu ne peux pas être une femme. Tu es une épouse. Tu te couches. Tu n'as rien à faire. Tu te couches à 24 heures. Et tu te lèves à 8 heures. C'est ton mari qui se lève avant toi. Ici, là, les féministes vont venir me dire, mais c'est pourquoi la femme qui doit se lever? Pourquoi c'est toujours la femme? Je m'en fous de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait avec elle. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en elle. Il va falloir qu'il te faut une révélation. Que tu saches que la femme, elle a une mission à accomplir. Comme l'homme aussi, il a une mission à accomplir. Oh, ils n'accomplissent pas leur mission, on s'en fout. On ne s'occupe pas de ça. Nous avons notre mission à nous accomplir. On accomplit notre mission. On n'a pas le temps de jugement. Comme toutes les années, des années, on était là en train de les juger. Et ça a donné quoi? Ça donne quoi? Ça donne quel changement? On va se tuer à cause d'eux? Mais non, ça ne marche pas. Alors je reviens. Tu es une femme mariée. Tu te couches à 1h du matin. Mais tu n'es rien en train de faire. Moi, je peux te dire que je me couche à 2h. Parce que je suis en train de travailler et mon mari voit. Quand il vient en vacances, mon premier devoir, satisfaire le désir de mon époux chaque jour. La Bible dit, elle lui fait du bien chaque jour. Hier, je parlais avec une fille et je lui expliquais le fait du faire du bien. Qu'est-ce qui rentre dans la notion de faire du bien? Et quand je suis arrivée dans le domaine de la sexualité pour lui expliquer dans le domaine de faire du bien chaque jour, y compris la sexualité. Mais nous ne sommes pas des animaux pour que nous puissions être là chaque jour, ça fatigue. D'accord? Donc il y a un jour que peut-être c'est la sexualité. Il y a un autre jour, peut-être c'est un autre fait du bien. Mais ça aussi, tu peux leur faire. Si c'est un homme qui ne reconnaît pas ta valeur, il ne fait rien de bon. Et ça énerve. Comment avoir un mari que toi tu fais. Tu ne fais que donner. Mais lui, n'arrive pas à te faire du bien. C'est pas grave. Anyway. Tu te couches à 24 heures. Tu dors, tu te lèves à 8 heures. Tu traînes. Et tu sais que peut-être tu es une femme qui a vu comment les femmes sont en train de se lancer en ligne pour avoir leur propre business. Tu commences ton business quand tu veux, comme tu veux. Comment ton mari va voir
que je dois injecter l'argent dans ce que tu fais pour pouvoir te soutenir. Parce qu'il voit que la négligence en toi. Il doit voir en toi une femme qui est en train de se battre. Une femme qui sait comment elle est en train de... Elle veut grandir son business. Ça fait, je te dis, ça fait 3 ans. Accompagnement et conseil chaque mois. Accompagnement et conseil chaque mois. Et par mois, j'ai presque 10 accompagnements individuels avec les femmes. Regarde, hier, j'ai travaillé avec une autre. Complètement, le foyer est par-dessus, par-dessous. J'ai dit, maman, tu es où ici? Tu es dans un champ de bataille ou tu es dans l'institution des dieux? Il dit, maman Béatrice, c'est quand j'ai commencé par t'écouter que j'ai su que le mariage, c'est vraiment un jardin d'Éden. Moi, je faisais tout ce que je veux. Il dit, moi aussi, je fais ma part. Lui aussi, il fait sa part parce qu'on ne se comprend pas. J'ai dit, ne le regarde pas. Commence d'abord par toi. Commence à faire ta part. Comment tu peux avoir un homme? Ta femme te dit, nous avons l'argent. Achetons la maison. Nous sommes ici en Europe. Nous avons des enfants. Achetons la maison pour nos enfants. Non, il n'écoute pas. Il va ramasser l'argent pour envoyer à sa belle, sa maman. C'est quoi cette mentalité d'époux que nous avons? Tu as une famille. Tu laisses ta famille. Tu t'occupes. Je ne te dis pas de ne pas s'occuper de ta mère. Alors pourquoi tu vas rendre une maman paresseuse, parce que tu lui envoies l'argent tout le temps, tout le temps. Pourquoi tu ne vas pas aller construire quelque chose et dire à cette maman, maman, tu peux t'asseoir devant cette boutique et tu peux vendre quelque chose. Pourquoi tu ne fais pas ça à ta mère? Pourquoi c'est chaque jour tu es devenue, on appelle ça comment? Une machine automatique de soustraction de l'argent. Et ta famille est là. Ta femme est en train de se battre. Elle veut acheter la maison. Lui là, chaque mois, l'argent doit partir chez ta mère. Tu as épousé ta maman. Tu as épousé ta femme. Tu n'arrives pas à construire quelque chose avec ta femme. Mais chaque mois, il faut que tu fasses partir de l'argent chez ta mère. Mais tu ne réfléchis pas que tu dois rendre ta maman indépendante de toi. Tu dois réfléchir à ça. Maintenant, tes enfants sont en train de grandir. Donc, tu penses que c'est ta maman qui va venir pour s'occuper de tes enfants? Parce que ce que tu es en train de faire avec ta femme, tu lui montres ça. Moi, je vais m'occuper de ma mère. Toi, tu t'occupes des enfants. Quelle ingratitude. C'est ingrat. C'est fou. C'est mal réfléchi. Malheureusement, nous avons des hommes qui sont comme ça. Chaque mois, il faut faire partir l'argent. Chaque mois. Mais si la femme ne prenait pas soin de la maison, tu allais faire comment toi? Alors, elle me raconte ça. Je lui dis, es-tu en train de te laisser emporté par le mal que tes messieurs est en train de faire. Je te donne 10 ans, même plus, 10 ans là, c'est beaucoup, pour que tu vois tes enfants sont rentrés avec toi dans un autre mariage. Parce que ce mariage-là, ça ne pourra pas fonctionner si tu ne reprends pas ça en main. Je dis, je fais comment? Je dis, tu fais comment, comment? Commence à appeler à l'existence ce que tu ne vois pas dans ta maison. Commence à dire à ce monsieur-là que c'est un investisseur. Commence à appeler ce monsieur l'homme le plus riche de Babylone. Commence à appeler ce monsieur, le monsieur qui a déjà acheté sa maison. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu continues à lui faire les remarques chaque jour comme tu es en train de faire, le monsieur-là ne va jamais changer. Et c'est ça notre problème. Tu vois que la chose n'est pas en train de fonctionner, mais tu fais le bruit. Tu fais le bruit pourquoi? Attaque avec la parole, mais la parole de douceur. Dieu est notre exemple. Il dit et les choses s'accomplissent. Il ne fait pas de bruit. Ce n'est pas un homme qui fait des bruits. C'est un homme qui accomplit dans le silence. Avec la parole, il crée. Ta part de responsabilité, c'est commencer la douceur. Il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Commencez avec la douceur. Fais asseoir ce monsieur, ça ici je vois que peut-être c'est le manque d'enseignement. Parce que eux là, comme ils connaissent tout, tu ne peux pas les enseigner. Tu veux dire A, il va dire non, que tu ne connais rien. Maintenant la stratégie pour parler à un homme, la communication saine. Je vous ai dit ici toujours, il faut utiliser la stratégie de communication saine.
la stratégie de la valorisation de la personne. Tu veux voir quelque chose qui doit se réaliser. Commence à t'asseoir avec lui. Écoute, toi là, je te vois comme un homme. Dans 2 ans, tu détiendras 3 maisons. Tu rêves? Non, papa, je ne rêve pas. Toi là, tel que je te vois, dans 2 ans, tu détiendras 3 maisons. Comment ça? Oui. En aidant ta maman à être personnellement libre financièrement et que tu ne continues pas à envoyer l'argent tel que je te vois, tu vis de l'argent tout le temps. Et donc imagine, si tu es quelqu'un qui est en train d'envoyer l'argent à ta mère par mois, 100 000, et que le mois, si nous décidons par exemple que nous allons prendre 300 000 une fois et qu'on met quelque chose pour ta mère, on lui dit, maman, gère ça. Ça, c'est pour toi. Parce que le mois prochain, je ne t'enverrai plus l'argent. Le mois suivant prochain, je n'enverrai plus. L'autre mois là-bas, je n'enverrai plus. Gère ce que je t'ai donné. Et toi, commençons chaque mois. On se donne 3 ans que tu n'es plus en train d'enlever 100 000, 100 000, 100 000 pour maman chaque jour. Moi aussi, je me donne 3 ans. Toi aussi, donne-toi 3 ans. On fait de l'économie. Ouvrons un compte d'épargne là où nous sommes en train de mettre cet argent chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Si on fait les calculs, dans 5 ans, on aura une maison. Hein? Et en plus, tu as raison. Oui. Parce que je vois que tu es un homme très intelligent. Mais il te manque des stratégies. Appliquons cette stratégie. Ce n'est pas ce que tu vas faire. Hey! Tu es fou! Tu envoies l'argent à ta maman chaque jour. Toi, tu ne réfléchis pas. Tu es bête. Tu ne vas rien obtenir en faisant ça. Tu ne vas rien obtenir parce que tu viens de dire qu'il est bête. Il sera encore plus bête parce que tu l'as dit de ta bouche. Oui. Salut Adèle Penda. Tu l'as dit de ta bouche qu'il est bête. Attends-toi à récolter les fruits des bêtises. Tu as dit qu'il n'est pas intelligent. Attends-toi à récolter les fruits de manque d'intelligence. C'est quand je vous dis que c'est nous. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui devons porter le pantalon. Je refuse de porter le pantalon. Tu ne payes pas le loyer, je ne paye pas. Je refuse d'éduquer les enfants à seuls. Tu n'éduques pas. Moi aussi, ma part, je m'assois là, je t'observe. Mais j'ai la stratégie pour parler avec mes enfants de ce que je dois leur dire. Si ce sont les filles, vous devez faire ça, 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 ça. La partie du père, c'est toi qui devais faire les devoirs avec eux. Tu ne l'as pas fait. Je ne fais pas. On va observer ça sur 1 an. Car le manque de connaissances des enfants à l'école va diminuer. Quand tu vas venir me dire, je m'en vais chercher même les résultats parce qu'il y en a qui n'ont jamais demandé les enfants comment vont les études des enfants. C'est la femme qui fait tout. La femme s'occupe de l'école des enfants. La femme fait ceci. Je m'en vais, je vais aller prendre les bulletins de l'enfant. Je viens, je te dépose. Voici le bulletin des enfants. Mes enfants ne sont jamais affamés. Mes enfants ne maigrissent pas. Mes enfants portent toujours les habits bien. Mes enfants sont propres. Ça, c'est ma responsabilité. Je fais ma part. Toi, là, voici ta part. Tu ne veux pas aider les enfants à réussir à l'école. Voici le résultat des enfants. Papa, tu es très intelligent. Tes enfants doivent être intelligents comme toi. Mais la manière dont je suis en train de voir que tu es en train d'aider les enfants dans la chute. Nous allons nous tous aller dans la chute. Papa, que Dieu te bénisse pour moi. Je reste tranquille. Il va aller dormir. Il va pas te parler. Il va rougir. Il va faire cela. Je ne suis pas en colère avec toi. Je me lève le matin. Je fais un bon petit déjeuner. Mange. Il va rougir. Il va faire comme ça. Je ne suis pas en colère contre toi. Je viens, je te sers à manger parce que c'est ma part de responsabilité. Je viens même, je t'offre mon corps au lit. Mais j'ai dit, les devoirs des enfants, je ne fais pas. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que si les enfants la continuent comme ça, ce n'est pas mon nom seul. Parce que dans le mariage, là, les enfants ne portent pas le nom d'une femme. Non, c'est toi qui portes les charges des enfants. C'est toi qui portes les charges de la maison. C'est toi qui portes ça. C'est toi qui portes ça. Ça, c'est une
inconscience dans l'insoumission bête. Fais asseoir le mari. Dis-lui que voici le résultat des enfants. Nous devons changer de stratégie. Et je t'écoute. Parce que je suis ta femme. Ce n'est pas moi qui va te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois me dire ce que nous devons faire. Je ne vais même pas te donner la stratégie que fais comme ça. Je t'écoute. On fait comment? Je reste, j'observe sur au moins 5, 6 mois pour voir. Et si je vois que mes enfants sont en train de chuter parce que ça là, c'est un charognard qui n'arrive pas à s'occuper. Il va falloir chercher une solution. Pied par terre. Attaquer dans la prière. Ce n'est pas dans les paroles. C'est dans le calme et la confiance. En parlant avec les enfants. Les enfants, allez-y trouver votre père. Étudiez avec votre père. Aujourd'hui, je répète encore, les enfants, prenez vos devoirs, allez-y trouver votre père. Étudiez avec votre père. Le lendemain, les enfants. Et les enfants vont aussi aller. Papa, maman a dit que tu... Allez-y là-bas chez votre mère. Les enfants reviennent. Ah non, c'est pas à maman de faire votre devoir. Allez-y trouver papa. Dites à papa, papa, aujourd'hui c'est toi qui dois nous aider. Soyez gentil avec papa. Respectez papa. Dites de bonnes paroles sur papa. Dis à papa, papa, si je ne réussis pas à l'école, ce n'est pas la faute de maman. Maman travaille beaucoup. Valorisez votre mère devant votre papa. Et je dis ça à mes enfants, je dis, la Bible me dit, dans le livre de Proverbes, il me dit, ses enfants chantent son honneur. Je ne fais rien pour vous offenser. Vous devez dire à papa ce que je fais pour vous. Est-ce que je vous laisse affamer? Non, maman. Est-ce que je vous habille? Oui, maman. Okay. Répétez devant votre père que maman se fatigue aussi. Soulagez maman. Dites toujours à votre père, maman se fatigue aussi. Papa, aujourd'hui, on a besoin de toi pour le devoir. Ils les appellent sur le téléphone Zoom. Ils font le devoir par le Zoom. Oui, c'est comme ça que mon mari fait avec mes enfants. Parce que j'ai dit, je porte beaucoup de charges. Et si j'échoue, ça ne sera pas ton nom. Ça sera Béatrice a échoué. Or, Béatrice n'est pas seule dans le mariage. On est deux. Je refuse de porter les charges là. Même à distance, tu fais le devoir avec tes enfants. Yeah. Mais tu portes tout. Parce que tu es la madame Sapato. Tu es trop forte. Comme il ne fait pas, c'est parce que c'est un va-nu-pied. Tu le laisses. Tu cours, tout, c'est toi qui fais ça, c'est une manque de sagesse. Je dis, c'est une manque de sagesse. Tu vas manger le fruit de ton manque de sagesse, femme. Assis-toi, toujours en train de regarder les conneries qui se passent souvent sur YouTube, en train de zapper les pages de tout le monde. Non. J'écoute deux personnes sur YouTube. J'écoute trois pasteurs. Il y a deux motivateurs sur YouTube que je regarde. Il y a trois pasteurs que je regarde. Je tais leur nom. Oui. Je vais taire leur nom. La gestion de ton temps, ça prend la sagesse. L'autre point, c'est la gestion de tes finances. Tu es la madame, achetez tout. Tout ce que tu trouves, achetez. Les nouveaux habits qui sortent, achetez. Les sacs à main, les nouveaux sacs à main, achetez. Les chaussures, achetez. Tu veux avoir tout. Ça, quand on ouvre chez toi là, c'est rempli. J'en ai trois, pas plus. Et ce n'est pas parce que l'argent pour acheter ça me manque. Non, la gestion de mon finance. La gestion de mon finance. Tu ne sais pas combien rentre par mois. Tu ne sais pas combien doit sortir. Tu ne sais pas le montant qui est affecté à ton compte bancaire. Ici, c'est la faute de l'homme. C'est le manque de notre sagesse. Tout dernièrement, je parlais avec une femme. Quand elle était arrivée de l'Afrique avec son mari, le mari a ouvert un compte bancaire. La femme a commencé à travailler.
Son argent rentre dans le compte bancaire, là où le compte que le mari a ouvert. Et le mari est parti habiter dans une autre maison avec une autre femme. Le mari ne dort pas dans la maison. Il vient, il se soulage parce que c'est sa femme. Et ils ont été mariés officiellement. C'est sa femme. Mais le monsieur ne dort pas dans la maison. Il a une autre femme. Mais mon compte bancaire, c'est lui qui paye le loyer. C'est lui qui paye les charges. Et moi, quand je fais sortir de l'argent pour quelque chose, il doit me poser la question. J'ai fait quoi avec cet argent? Ça, c'est quel manque de sagesse. Ça, c'est une insoumission qui est bête. Oui. Soyez soumise à vos maris. Tu ne dors pas avec moi dans la maison. Tu ne peux pas connaître mon compte bancaire. Tu dors avec moi dans la maison. Tu connais mon compte bancaire parce que nous sommes un. Tout ce que je fais, je te dis. Tu vas dormir là-bas dehors. Tu ne peux pas connaître mon compte bancaire. Tu vas sortir parce que tu as beaucoup de copines dehors. Tu ne peux pas connaître mon compte bancaire jusqu'à ce que tu redeviennes un homme qui mérite mon respect. Ça là, ce n'est pas encourager une femme à ne pas être insoumise. C'est encourager une femme à ramener son mari sur le chemin de la vérité. Oui. Je ne peux pas te dire combien je gagne quand toi tu es en train de courir dehors. Tu me dis combien je gagne. Tu as mis ta part d'argent. J'ai mis ma part d'argent. Oui, c'est normal, tu es mon mari. C'est normal, tu es mon mari. Tu mets ta part d'argent. Nous avons un seul compte bancaire. Et c'est normal parce que tu es mon mari. Oui, la soumission n'est pas une suggestion, non. Alors, voici chérie, ce mois-ci, voici le loyer. Voici l'argent pour la nourriture. Voici, je n'aime pas beaucoup... l'argent qu'on met pour dans le cas où il y a un problème, on appelle ça comment? Écrivez-moi ça, l'argent qu'on met dans le cas où il y a un problème, comment on appelle ça? L'imprévu. Je n'aime pas mettre l'argent pour l'imprévu parce que l'imprévu appelle l'imprévu et je refuse. Donc mon argent est viré dans le compte bancaire dans le cas où il y a un problème. Bon, ben je peux m'en occuper, mais dire que je vais mettre l'argent pour les imprévus, je refuse. Donc voici pour le loyer, voici pour la ration, voici pour paiement des écoles des enfants, voici pour, disons quoi encore, acheter les savons, acheter ceci, acheter cela, on dégage un montant pour ça, ok. Et la première des choses pour les femmes qui ont le mari chrétien et qui ont une famille qui connaît l'importance de protéger son finance par les principes bibliques, les dons ou bien les offrandes ou les semences ou la dîme. Voici ce qui est affecté à la dîme. Je l'affecte en première position. Je n'affecte jamais ma dîme en deuxième. Non. Imprévu, voilà. Je n'affecte jamais ma dîme en deuxième. Si je prends Dieu en deuxième, Dieu va me prendre en deuxième aussi. Je ne serai pas importante pour lui. Alors, j'enlève la part de Dieu avant. Et quand j'ai enlevé la part de Dieu avant, le loyer. Après ça, dégager pour la nourriture. Après ça, dégager une portion pour l'école. Après ça, dégager pour les factures. Après ça, dégager pour certaines choses que j'affecte tant. Et j'ai toujours mes 20% affectés à l'économie. Toujours mes 20% affectés à l'économie. Après la dîme, je prends 5% pour les offrandes que je divise en 4. Parce que souvent, dans le mois, j'ai 4 dimanches. Et je sais, c'est en ce moment qu'on ne part pas à l'église, que je suis bloquée. Mais mes 5%, je les divise en 4 pour le mois. Donc chaque dimanche, je ne veux pas chercher l'argent de Dieu pour dire que je suis en train d'aller à l'église et puis je commence à ramasser les miettes, ce qui reste pour donner à mon Dieu. Mais 5% des offrandes sont divisées en 4, gardées dans une enveloppe, 4 enveloppes. J'ai 4 enveloppes. Je mets mon argent de l'offrande, tac, pour 4 dimanches. Et quand je suis en train d'aller à l'église, ce n'est pas là-bas à l'église
que j'enlève mon argent comme ça, que tout le monde voit Béatrice. Ça, c'est quand j'étais insensée, c'est là où je faisais ce genre de choses. J'enlève l'argent comme ça, que tout le monde voit Béatrice a enlevé 20 dollars pour donner à Dieu. Dieu a besoin de mon 20 dollars. Le Dieu de l'or et l'argent. Non. Mon argent est dans l'enveloppe apprêtée depuis le début du mois. 4 enveloppes offrandes. Une enveloppe dîme. Ici, j'ai écrit dîme. Dimanche 5, offrande. Dimanche 12, offrande. Dimanche 19, offrande. Et dimanche dernier, là, c'est quoi? Ça doit être peut-être le 26, offrande. Oui. Ma bénédiction vient par rapport à ce que je donne. Maintenant, j'ai une personne par mois que je fais les semences. Même si c'est 5 dollars, je dois envoyer cette semence. Oui, c'est très important pour moi les semences. Je ne joue pas avec. J'enseigne les formes. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter le vent. Si tu ne sèmes rien, tu ne récoltes rien. La Bible va te dire, Jacob a semé, femme, sois sage et écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Jacob a semé cette année et il a récolté le centuple de ce qu'il a semé. D'accord, je te lis ça tel que ça a été écrit. Genèse 2. Je te lis ça. Comme ça là, toi qui ne lis pas ta Bible, tu vas lire ça et tu vas prier dessus. Donc, je prends ma Bible à côté, je vais chercher ça dans mon ordinateur. So, je vais lire ça. C'est quoi que tu cherchais? Quelque chose me dépasse. Ça me donne en anglais. J'ai trouvé maintenant en français. Il dit, Genèse 26, 12. Isaac sema dans le champ de ses pays et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Le Seigneur le bénit. Ses biens augmentent sans cesse et il devient l'homme le plus riche. Tu veux être riche, tu ne veux pas semer. Tu veux être influente, tu ne veux pas semer. Tu veux avoir une famille prospère, tu ne veux pas semer. C'est Genèse 26, 12. Tu ne veux pas s'aimer. Tu vas récolter le vent. Et d'ailleurs, ça même, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je te cherche même ça en même temps. C'est dans Proverbe. Proverbe combien? C'est dans Osée 8, 7 plus tôt. Osée 8, 7 va te dire, puisqu'ils ont semé du vent, ils ont moissonné la tempête. Tu as semé quoi toi? Tu as semé les problèmes, tu moissonnes les problèmes. Tu as semé la paix, tu moissonnes la paix. Tu as semé le vent, tu moissonnes le vent. Tu as semé l'argent, tu moissonnes l'argent. Tu as semé les paroles de désaccord, de mésentente. Tu as semé la colère, tu moissonnes la colère. Oui. Osée 8, 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et il y en avait des étrangers qui la dévoreraient. Oui. La connaissance des principes. Et donc je reviens. Mes enveloppes sont préparées. Je ne m'amuse pas avec ces choses-là. Parce que je me suis amusée avec Dieu. Et j'ai souffert. Je suis un enfant de l'Alliance. J'ai été consacrée quand je ne suis même pas née. Et dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'ai un plan pour toi. Toi là,
Tu sautes seulement, tu fais les plans que tu veux. Tant, tant. Le mari que tu veux épouser, c'est toi qui as choisi. Je vous ai dit la dernière fois. Attention. L'homme que tu veux épouser, c'est toi qui as choisi. L'instituteur du mariage n'était pas avec toi dedans. Tu as choisi seul. La date de ton mariage, tu as choisi seul. Il n'était pas dedans avec toi. Les robes de ton mariage, tu as choisi seul. Le lieu de ton mariage, tu as choisi seul. Ton pasteur qui va célébrer ton mariage, tu n'as jamais prié pour ça. Toi-même, tu as choisi seul. Tu as fondé ton mariage by your own. You have to do it by your own. When you have the problem, don't come to disturb this God. Oh, ça c'est mon anglais. Parce que je vais arriver à parler l'anglais un jour. Oui. Lorsque nous sommes sages, nous opérons dans le panier de la sagesse. Lorsque nous sommes insensés, nous opérons dans le panier de l'insensé. Il y en a beaucoup qui entament les choses sans vision. Hier, j'ai travaillé sur mon business plan avec une dame. Et lorsque j'ai travaillé sur mon business plan, j'ai dit à cette femme, j'ai dit, même avant d'ouvrir mon entreprise au Canada, il fallait que je travaille mon business plan. Mais je manquais beaucoup de sagesse. J'ai fait des choses pas comme Dieu le veut. Depuis que j'ai commencé à former les femmes dans Entreprendre avec Dieu, guys, on a la formation aujourd'hui dans Entreprendre avec Dieu. N'oubliez pas celles qui sont en ligne avec moi. Mettez aussi le mot dans le groupe que nous avons la formation à 21h aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Depuis que j'ai commencé à enseigner les femmes sur vous devez connaître les principes de l'entrepreneuriat chrétien. Vous devez connaître comment vous devez entreprendre avec Dieu. Sinon, tu entreprends, tu échoues. Tu es un enfant de Dieu. Tu veux entreprendre, mais tu déposes ton Dieu de côté. Il dit, afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends, on entend, on ne l'applique pas. Il dit, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites ça nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. On dépose Dieu de côté. Mais comme nous sommes aussi semblants, on fait des choses semblants, on fait seulement pour qu'on nous voit. Chacun a le nom de Dieu dans sa bouche, mais l'application de la parole de Dieu, zéro. Moi, j'ai fait ça pendant 12 ans. Oui. Pendant 12 ans, tu veux entendre Dieu. Dieu, oui, oui, Dieu, la femme de Dieu que j'étais. Je vous ai déjà dit ça ici, non? J'ai décidé l'application de la parole de Dieu à la lettre. Et ça fonctionne très bien. Ça dépend de la disposition de ton cœur. J'étais cette femme-là qui avait un cœur noir. J'étais cette femme-là qui avait un cœur envieux. J'étais cette femme-là qui avait un cœur meurtri. Mais ce cœur était dans une âme infectée, une âme déformée, une âme qui ne pouvait pas prospérer. Et donc j'échoue, j'entends sans vision. Sans vision, tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Il y en a qui veulent se marier, elles n'ont pas de vision. Et elles entament, elles embarquent plutôt l'homme dans leur direction sans vision. Un mariage sans vision. C'est là où MML intervient, gars. Assis-toi, réfléchis. Sans vision, le peuple est voué à l'échec. Sans vision, tu vas fonder un mariage échec total. Vous fondez vos mariages sans vision. Il y en a qui portent la vision du mariage. Qui dit, c'est-à-dire qu'elle dicte à l'homme comment elle veut voir son mariage se réaliser. Elle dicte à l'homme. Dès qu'elle a déjà rencontré l'homme, mon mariage sera comme ça, ma maison sera comme ça, mes enfants comme ça. Elle a tout dicté. L'homme regarde, l'homme dit, mais ça là, c'est une femme que moi, si je mets dans la maison, elle va tout faire. Parce que moi, je vais seulement rester comme ça. Et je serai le chef. Parce que la manière dont je vois là, ça c'est une tête brûlée. Elle va gérer la maison. C'est elle-même qui va travailler pour amener l'argent dans la maison. Parce qu'elle a déjà donné la direction au mariage. Et la fondation de beaucoup de mariages sont comme ça. Elle a déjà montré à l'homme que je suis capable. Je serai une femme qui va payer le loyer. Je serai une femme qui va inscrire les enfants dans des écoles chères. Tu as déjà montré à un homme, non? Tu veux qu'il fasse quoi? N'est-ce pas que tu as voulu porter la vision du mariage? Go!
Et là, les hommes aiment ça. Les hommes aiment les femmes qui portent la vision maritale. Il s'assoit ici. Il te fait souffrir. Il te fait souffrir. Tu as voulu porter la vision. Salut Julie. Tu as voulu porter la vision du mariage, n'est-ce pas? L'homme va te faire souffrir. Ce n'est pas à toi de porter ça. Hein, parce que tu veux le mariage. Tu lui montres. Hein? Je veux un téléphone. Ah non, je t'achète. Ah, mon loyer, là, ce n'est pas encore payé. Oh, c'est combien ton loyer? 700 dollars. Laisse, je veux payer. Parce qu'elle supplie le mariage. Et elle commence à faire tout. Tu vas porter l'homme ici. Tu vas souffrir parce que tu as donné la direction au mariage. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Laisse l'homme porter la vision maritale. Ce n'est pas toi. Ah non, nous allons organiser mon mariage dans tel pays. Elle a déjà décidé. Nous allons monter telle limousine. Elle a déjà décidé. Gare à l'homme quand l'homme va lui poser la question. S'il te plaît, moi je ne peux pas faire ça. Aïe! Si c'est ça, on ne se marie plus, c'est terminé. Échec. Sois sage. Julie Andrea Rambia, bonjour. Sois sage. Ce n'est pas à toi qui dois dicter ces choses-là. Écoute-le. Même si tu vois ce qu'il est en train de vouloir faire, ça va vous amener en échec. Suis-le. Et ta part, c'est rester dans la prière pour lui dire, Père, parle-le parce que la vision, ce qu'il est en train de prendre, ce n'est pas bon pour nous. Mais c'est toi qui donnes la direction. C'est toi qui donnes. Oh Seigneur, il va nous aider. Mais il va nous aider à condition que nous revenons sur le bon chemin. C'est là où Dieu vient pour nous aider. Il m'a laissé prendre la mauvaise direction en portant mon foyer comme si c'était moi qui étais le chef de famille. Il m'a regardé, il m'a observé. Et j'ai aussi bien souffert. J'ai aussi bien souffert. Et il y en a beaucoup parmi nous qui portent la vision maritale. Tu ne portes rien. Vous voulez vous marier? Tu fais le plan, voici. Qu'est-ce que tu en penses? Quand il dit que non, je veux que ça soit comme ça, tu l'écoutes, tu fais. Quand tu vois que non, mais ça va nous amener dans une dépense, tu fais les propositions. Et quand tu fais les propositions, le gars dit que non, je ne veux pas, tu dis ok. Et toi, tu repars dans la prière. Ça, c'est la femme sage. Ce n'est pas la femme qui opère dans le panier des discussions. Mais elle opère dans le silence. Et elle remporte dans le silence. Elle opère en remuant la bouche. Elle opère et elle remporte. En... Oui. C'est ce que la femme de Elkana a fait. Sa coépouse était en train de la pousser, l'insulter. Jamais. Elle va venir pleurer à côté de Elkana pour lui dire, ta femme me fait ça. Elkana lui dit, mais moi je t'aime. Je t'aime. Est-ce que je ne suis pas pour toi plus que combien de garçons? Il a dit le nombre, je ne sais plus, ou c'est toi, ou c'est combien. Elle a dit que l'affaire c'est, salut Vinicia. L'affaire c'est, je ne peux pas moi opérer dans les discussions avec Elkana. L'affaire c'est, je ne peux pas opérer dans les paniers des discussions avec Penina. Je dois opérer en remuant la bouche. Et jusqu'à remuer la bouche, le prophète Élie lui dit, va faire passer ton vin. Mais elle était en train de, sur ses pieds, en train de remuer jusqu'à ce qu'elle a remporté la victoire. Aucune personne n'était au courant. Sauf son Dieu. Même Élie ne savait pas qu'elle était en train de demander quelque chose. Ta mère est au courant. Ton père est au courant. Ta maman est au courant. Tous tes amis sont au courant de ton affaire. Manque de vision, manque de sagesse. Yes. Soyons sages. Je reviendrai encore sur le thème parce que nous n'avons pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à faire. Écoutez, je bénis le Seigneur parce que nous ne faisons que restaurer le mariage. Oui, ça se restaure. Là où c'est déjà, et qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'est pas moi qui va aller me battre dans la prière pour toi. Si tu es une femme qui n'a pas de foi, tu vas croire que c'est déjà terminé et ça sera terminé. D'accord? Mais si tu es une femme qui croit que non, je crois en mon mari et je sais qu'il y a des combats dans ce domaine. Je sais que nous avons mal fondé nos foyers. Je sais que nous avons commencé la fondation sur le sable, ce n'était pas sur le roc Christ. Je peux encore redonner la direction de mon mariage à Christ. D'accord? Dieu n'est pas comme Satan.
Il ne vient pas s'introduire dans quelque chose qu'on ne lui a pas confié. Tu lui as confié la direction de ton mariage, he will fight for you. Tu ne lui as pas confié et tu as commencé ton mariage en le construisant avec celui-là. L'impudicité, les mensonges. Et tu es parti derrière le pasteur. On t'a posé la question. Il ne pose même pas la question. Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles? Est-ce que vous avez délié les liens d'âme? Personne ne te pose la question. Boum, on les met ensemble. Si c'est comme ça que tu as fondé ton foyer. Et après tous les combats, tu ne sais pas que ces combats, derrière ce combat, il y a la main invisible. Car le monde est fait de 80% d'invisibilité et le 20% nous le voyons. Et tu penses que tout est facile comme ça. Il y en a qui sont spécialement envoyés que pour détruire le mariage. C'est leur travail, le Léviathan. Va lire le livre d'Isaïe. Tu vas voir comment le Léviathan travaille très fort pour détruire le mariage. Il travaille nuit et jour, il ne dort pas. Pour toi, tu as une mission, tu travailles. Tu sors, tu vas aller travailler dehors, tu t'occupes de ton mari, de tes enfants. Mais lui, son travail, le seul travail qu'il a, c'est de détruire le mariage. C'est le seul boulot qu'il a. Et donc, si tu penses que tu es très forte et que tu peux te battre avec lui charnellement, on ne se bat pas avec lui charnellement, c'est un esprit, parce qu'il est esprit. Et tu veux te battre avec lui charnellement, donc dans la parole, dans ton caractère armé, hein, le caractère d'une femme forte qui combat avec son époux, tu ne vas pas remporter. Lâche le monsieur là. Laissez les hommes là. On ne se soumet pas bêtement à un homme. On se soumet à un homme parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Tu as envoyé l'Esprit de Dieu travailler le cœur de l'homme. Si tu n'as pas envoyé l'Esprit de Dieu travailler le cœur de l'homme, ça veut dire que toi-même, ton caractère, ça nécessite un travail. Tu peux travailler dessus. Et arrête de parler de mal d'eux. Jamais parler mal des hommes. Ce sont les chefs. Ce sont les premiers. Je fais attention pour ne pas parler d'eux, malgré que je sais qu'ils sont top. Il y en a que tu penses seulement comme ça, tu as envie de les jeter dans la poubelle pour dire, mais ça, c'est quel homme ça? La femme est tellement gentille. La femme fait toujours du bien. La femme, tu lui dis, femme, sois soumise. Elle applique la soumission jusqu'à se courber devant son mari. Le monsieur est vilain, méchant. C'est comme s'il ne voit rien. C'est comme s'il ne voit rien de tout ce que la femme fait. Mais là, tu ne peux pas aller dans ça avec le charnel. Tu ne peux pas. Tu as une alliance qui parle en ta faveur, l'alliance maritale. Je vais ici finir avec les femmes qui vivent l'impudicité et qui sont en train de dire, mon mari, toi-même tu sais que ce n'est pas ton mari. Quelle est l'alliance qui va parler sur toi? Et la Bible dit, une maison divisée entre elles ne peut pas résister. Toi-même tu sais comment tu as fondé ton foyer. Toi-même tu sais comment ce foyer-ci a de combats. Tu vas aller trouver les gens qui vont te dire, prie pour ton mariage. Tu pries quel Dieu? C'est le Dieu de l'alliance du mariage que tu pries ou le contraire de Dieu de la destruction de l'alliance que tu pries? Parce que si tu as l'alliance avec Dieu, he will fight for you. Si tu as l'alliance avec l'autre là, he also fight for you. Oui. Et donc, quand tu n'as pas donné la direction de ton mariage et tu sais que tu vis l'impudicité et on te dit que non, il faut prier pour ça. Ah, sois forte pour aller te battre avec l'ennemi. Parce qu'une maison qui est divisée entre elles ne résiste pas. Et là, elles vont se déconnecter. Parce que quand tu commences à parler du concubinage, comme il y en a 80% qui vivent le concubinage, on ne veut pas écouter sa femme si tu es dans le concubinage. Arrête de te battre avec Satan parce qu'il va remporter contre toi. Tu n'as pas un esprit qui va aller combattre. Oui. Ou tu attrapes la main de Dieu et il combat, il will fight for you. Ou tu attrapes sa main, tu combats avec lui et la parole de Dieu dit, la maison qui est divisée entre elle-même ne peut pas résister. Et tu ne résisteras pas. Ta maison ne résistera pas. Je bâtis sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est ton Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur.
La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. Tu as l'assurance que ta maison est conçue sur le rond. Je vous ai raconté ici, quand j'ai su que le combat, si je ne peux pas le combattre avec le destructeur du mariage, il fallait que je quitte son camp pour venir dans le camp de Christ et lui demander maintenant, fight for my marriage. J'ai appelé le pasteur et j'ai dit, papa, je dois me marier. Mais ma Béatrice, tu es mariée? J'ai dit, je me suis mariée depuis des années, ça fait 11 ans que je suis mariée. Mais je n'ai pas demandé la bénédiction de Dieu. Je suis dans un mariage qui n'a pas de bénédiction de Dieu. Or, le mariage s'y appartient à Dieu. J'ai toujours dit, le mariage s'y appartient à Dieu. Mais Dieu n'a pas béni mon mariage. Les hommes ont béni mon mariage parce qu'à la mairie, j'ai fait. J'avais eu tellement de combats lors de mes dots. Et donc, la bénédiction de mes parents sur mon mariage par rapport aux dots a été un combat. Je me base sur quoi pour remporter la victoire? Je me base sur quoi pour remporter la victoire? Salut, Pam. Je me base sur quoi pour remporter la victoire? Le pasteur m'a dit, on attend samedi. Mon mari devait repartir au travail. Je lui ai dit, pasteur, je n'attends pas samedi. M'a dit, pour le mariage, il faut l'école de mariage. J'ai dit, pasteur, ça fait 11 ans que je suis dans le mariage. Je n'ai pas besoin de l'école du mariage. L'école du mariage se fait au début, avant d'entrer dans le mariage. Moi, je suis rentrée dans le mariage, je n'ai pas fait l'école. Ce n'est pas maintenant que tu vas me dire que je dois faire l'école du mariage, pasteur. Bénis mon mariage. J'ai dit bénis mon mariage, pardon. Je t'en supplie à genoux, bénis mon mariage. Il m'a dit, ok, on va attendre samedi. J'ai dit, pasteur, samedi mon mari part. Oh là là, j'ai dit oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse plutôt? Est-ce que tu veux attendre qu'il revienne l'année? Dans la semaine. Est-ce que vous avez un jour dans la semaine, pasteur? Il m'a dit, attends, je regarde mon agenda. Il a pris son agenda. J'espère qu'il a pris son agenda. Parce qu'il m'a dit, je regarde mon agenda. Et après, il a dit que, est-ce que si je te propose samedi, c'est bon. Mercredi, c'est bon. J'ai dit, c'est bon. Même si c'est demain, c'est bon pour moi. Il m'a dit, d'accord. Rendez-vous pris samedi. Je suis partie avec mon mari. Parce qu'il s'est moqué même de moi. C'est quoi cette affaire, Béatrice? Tu es ma femme. On a des enfants. J'ai dit, papa, l'affaire que tu dis que je suis ta femme, tant que Dieu n'a pas béni le mariage, je ne peux pas. Je suis partie, j'ai dit papa, pardon. Finalement, elle dit, ok, quand tu commences à demander quelque chose, quand on ne fait pas ce que tu veux, là, ça fatigue. J'ai dit, merci chérie. Je suis partie acheter la bague. J'ai pris ma bague, j'ai dit que je viens à la maison. D'abord, moi-même, je bénis ma bague avant de l'amener devant le pasteur. Je suis venue, commencer à prier sur la bague, commencer à prier dessus, commencer. Je suis partie à l'église. Mon mari, mes 4 enfants, moi et 2 témoins. J'ai appelé rapidement les témoins. Je les ai informés. J'ai dit, vous devez être témoin de mon mariage. Béatrice, on te connaît depuis des années. On sera témoin à ton mariage. Oui. On est parti. Le pasteur a béni le mariage. Le pasteur a pris les bagues et l'a prié dessus. L'alliance devant Dieu. Malachie 2,14. Je suis témoin de votre alliance. La femme de ta jeunesse, je suis témoin. Le pasteur a prié. Le pasteur a mis la main sur ma tête. Il a mis la main sur la tête de mon mari. Il a prié. Il a pris la bague et l'a donnée à mon mari. Voici ça. Répète. Il a répété. Mets-lui. Mon mari a mis ça. Pop. Il m'a donné la bague. Il a dit, voici la parole, répète après moi. Je répétais, tata. Il a dit, mais j'ai mis à mon mari aussi. Il n'y avait personne. Il y avait mes 4 enfants. Il y avait 2 témoins. Il y avait mon pasteur. Il a pris la Sainte Cène. Voici la Sainte Cène. On a pris la Sainte Cène. 3 personnes, 3 grandes personnes qui ont pris la Sainte Cène à mon mari. Si tu me poses la question aujourd'hui, où sont les photos? Je fais quoi avec les photos? Je fais quoi avec les photos? Je veux une alliance avec Dieu. Je n'ai pas une alliance avec le photographe. Je veux une alliance avec Dieu. Je n'ai pas une alliance avec les hommes.
have to fight for my life. Le pasteur, quand il a fini, a dit, waouh, Béatrice, je te respecte. J'ai dit, oui, vous respectez Dieu en moi et je vous respecte plus. Car je respecte Dieu en vous. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas savoir la joie que vous venez de me mettre en moi. C'est comme si le mariage que j'étais dedans depuis 12 ans, ça venait de s'effriter. Boum! Tu es là dedans. Tu attends d'abord qu'il y ait 10 000 personnes. Tu attends, non, parce que voici le coronavirus. C'est le bon moment que vous devez même justifier vos mariages devant les gens. Hé, hey, vous vous êtes mariés, vous nous avez dit. Mais toi, tu sais que pendant cette période, on était seulement 2, 3, 4, on a fait. Non. Attends l'année prochaine. Entre-temps, sois prêt pour combattre. Oui. Attends dans 2 ans que tu es en train de préparer ton mariage. Mais entre-temps, sois prêt pour combattre. Parce qu'il se peut, avant les 2 ans, que ton mariage, même tu ne le feras pas. Que Dieu te bénisse. Moi, je finis ma page. J'ai bien beaucoup parlé. OK. Avant que je ne parte, le livre MML, mon mari me localise, sera disponible à nouveau. Je vous ai dit, c'était terminé. Le livre « Le pouvoir de la soumission » est déjà disponible. Ben, ça sera livré cette semaine. On avait la conférence dédicace normalement samedi, mais ça a été cancellé parce que finalement, ils nous ont donné 25 places. Je fais quoi avec 25 places? Les gens qui devaient être à la conférence étaient déjà nombreux, donc je ne peux pas aller avec 25 places. Donc, je l'ai cancellé. D'accord? Ton journal de gratitude. Écris toujours les bienfaits que Dieu fait pour toi. Il dit, comptez les bienfaits de l'Éternel et vous verrez combien ils sont si grands. Tu as une femme dans le mariage. Tu n'as même pas un journal de gratitude que tu écris les bienfaits que Dieu fait pour tes enfants. Même pour toi, parce que tu es tout le temps en train de te plaindre. Te plaindre de tes enfants, plaindre de ton mari, tu te plaindre de tout le monde. Quel est le temps que tu comptes les bienfaits de Dieu dans ta vie? Voici le journal qui te permet de compter les bienfaits. Tu peux avoir en version papier et en version originale. Par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, ce livre-ci est au Cameroun. Et même celui-ci est au Cameroun. Nous avons de très bons retours dessus. Le pouvoir de la soumission. Les femmes qui l'ont lu m'ont donné de très bons retours. Ceci, nous envoyons les livres partout à travers le monde. Vous commandez, on vous envoie vos livres. On n'a pas de problème pour envoyer les livres. D'accord? Ça, c'est la sexualité selon Dieu. Le vendredi, non, samedi. J'ai intervenu vendredi, oui. Vendredi, j'étais à la conférence Faiseur d'espoir. J'ai intervenu sur la sexualité. J'ai tellement parlé. Quand je suis revenue m'asseoir et j'ai écouté mon intervention, j'ai dit, ah, Père, tu es bon. Mais où était partie alors cette sagesse-là avant? Pourquoi cette sagesse avec laquelle je me suis exprimée devant les femmes aujourd'hui? Cette sagesse était où? Béatrice, je t'ai dit dans la parole, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Tu ne me craignais pas. Comment tu pouvais recevoir la sagesse de moi? Et il avait raison. La crainte de Dieu, je n'en avais pas. Et c'est normal que je manque beaucoup de sagesse. La crainte de Dieu, tu ne l'as pas. Tu vas manquer de sagesse. La crainte de Dieu, tu ne l'as pas. Tu vas manquer de sagesse. Parce que tu crains les hommes plus que Dieu. Parce que je craignais les hommes, les femmes. Je craignais tout le monde. Moi, je craignais les gens plus que Dieu. Je peux m'habiller comme ça pour faire plaisir aux gens. Je m'en fous si ça choque Dieu. Oui. Je peux parler pour faire plaisir aux gens. Je m'en fous si je suis en train de choquer Dieu avec ma parole. Oui. Il y en a beaucoup qui le font encore aujourd'hui. Faisons attention. Ça, tu vas manquer de sagesse. Parce que tu ne crains pas. Tu ne crains pas. Oh, il te dit, c'est le début de la sagesse. Si tu ne sais pas, demande pour qu'on t'aide. Si tu ne peux pas, prends les accompagnements individuels pour que tu sois une femme sage, bâtie. Oui. Je craignais mon mari plus que Dieu. J'ai manqué de sagesse. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Du tout, du tout, du tout. OK. I have to go. Donc, je m'en vais. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Oula. Oula là. Je voulais aller faire un peu de live sur mon YouTube. Pour tester mon YouTube, mais je n'ai plus le temps. Donc, je vous laisse, je vous salue, je vous dis merci parce que vous êtes une communauté de femmes
qui décide de changer un peu de stratégie. Ce n'est pas qu'on vous dit soyez soumis bêtement, mais je veux des femmes qui ont une intimité avec Dieu. C'est Dieu qui enseigne la soumission à une femme. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit femme, sois soumise. Paul a essayé ça. Est-ce que ça a marché pour nous? Il faut comprendre ce que Paul a dit. Il n'était pas un homme marié, mais il a enseigné beaucoup sur le mariage. Le langage de Paul me blessait. Femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Et le gars, il a complété comme au Seigneur. Mais moi, je comprends soyez soumise. Mais soyez soumise à l'homme qui te fait comment? Hein? Soyez soumise à l'homme qui te fait comment? Un homme qui ne te dit jamais merci, comment faire pour lui être soumise? Un homme qui t'insulte, comment tu peux être soumise à un homme qui t'insulte? Un homme qui ne te valorise pas, comment être soumise? Ça prend que la grâce de Dieu. Avec notre force, on n'arrive pas. Regarde Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. J'ai dit, je pars et puis je reviens. Je vous aime beaucoup, hein? Je vous aime beaucoup. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsemane. Quand sa chair n'arrivait pas à se soumettre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié pour que sa chair se soumette. De notre propre force, on ne pourra pas. Parce que nous, on ne reçoit que de la méchanceté de leur part. On reçoit que de la méchanceté. On reçoit des insultes. On reçoit des paroles de déshonneur. On reçoit le manque d'accompagnement. Tu es marié, mais c'est comme si tu n'es pas marié. Tu es marié, mais l'homme n'est pas là. Il est là-bas dehors. Hein? Tu es marié, c'est comme si tu n'es pas marié. Il est dans le mariage, mais il a des copines dehors. Beaucoup de femmes ont ça. Vous devez être sage pour savoir comment gérer cette situation. Ne vous laissez pas être prise dans le monde actuel, le monde digital, beaucoup de choses qui se disent, fille de Dieu, sois connectée. Les gens peuvent dire, mais qu'est-ce que ton père te dit? Tellement il dit, tellement il parle. Les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu me dit? C'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, à la prochaine.